Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Merci pour votre fidélité aux News de Paris. Pour cette émission, nous sommes avec Madame Marie-Ange Belli. Et avec elle, nous allons parler d'une journée d'information sur l'insuffisance rénale. Bonjour à vous, Madame Marie-Ange Belli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je rappelle que vous êtes, je précise plutôt que vous êtes présidente de l'association Akende Espoir, qui a été créée en mars 2013. Voilà, et est-ce que, en quelques mots, avant même de parler de cette journée, vous pouvez nous parler d'Akende Espoir? Akende Espoir, c'est une association, en fait, à but non lucratif, que j'ai créée le 17 mars 2013. Mmh. Et qui a pour objectif, en fait, d'améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des malades ayant une insuffisance rénale ou bénéficiant d'un traitement de surveillance de l'insuffisance rénale chronique. D'accord. Et Akende Espoir a été créée en 2013 ici à Paris. Oui, elle est basée à Paris. Nous sommes domiciliés à Saint-Leu-d'Esran, dans l'Oise. Et... Voilà, d'accord. En fait, ce qui m'intéresserait, c'est quand même de savoir qu'est-ce qui a suscité la naissance, je dirais même, ou la création de cette association. Depuis, ça fait 3 ans quand même qu'elle est là. Et tout a commencé comment? En fait, ce qui m'a motivée à créer Akende Espoir, c'est du fait que ça a été une expérience, pas personnelle, mais de par ma mère, qui en 2011 a été atteinte d'une insuffisance rénale. Et qui est décédé aujourd'hui en 2014 suite à une mauvaise qualité des soins. Oui. Et du coup, vous êtes dit, voilà, il faut que j'informe la population concernant cette maladie. Oui, effectivement. Et ça, on va dire, c'est le top départ. Oui, c'est le top départ. Et là, du coup, vous avez contacté des amis. Je veux savoir un peu comment ça se passe. J'ai mis en place avec des amis qui sont membres du bureau. Oui. Et nous avons décidé de sensibiliser la population, d'informer la population sur la maladie. Parce que l'insuffisance rénale, c'est une maladie silencieuse. D'accord. Une maladie silencieuse. Donc, il faut informer, sensibiliser et orienter la population vers les centres de dépistage en charge de la maladie. Et vous pensez que la population n'est pas très informée concernant cette maladie? Ben oui, parce que c'est une maladie silencieuse. Déjà, nous... Parce qu'on entend parler, hein, nous sommes tous des malades ambulants. Nous ne savons pas exactement comment est-ce que je fais pour éviter l'insuffisance rénale. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui entraînent cela. Mmh. Et là, c'est pourquoi que nous avons décidé de partir vers la population afin d'informer, de sensibiliser la population à participer activement chaque année au dépistage des reins. D'accord. Et quand vous parlez de population, c'est exactement quelle population? La population française, la population ivoirienne, la population africaine, c'est qui concrètement? Toute la population. Tout le monde, vous pensez que tout le monde vous allez vers où le besoin se fait sentir, oui, tout court. Où il y a urgence en fait. Où il y a urgence. Oui. Et si on veut parler un peu de la Côte d'Ivoire, parce que je précise que vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, oui. Est-ce que vous avez entrepris des actions dans votre pays? Non, déjà, parce que comme on le dit, tout commence d'abord chez soi, plus ou moins. Il y a un projet qui est déjà en vue, mais nous n'avons pas encore effectivement démarré le projet. Mm. Mais déjà, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé. Nous effectuerons en fait au mois d'août un déplacement sur Abidjan pour offrir du matériel de dialyse dans les différents CHU. Tout ça, c'est un projet. Projet. On va le mettre entre parenthèses. Et voilà, prier que... En fait, de toutes les façons, il y a tellement de projets, on ne va pas rentrer trop dans les détails. On va parler précisément de cette journée qui aura lieu le 21 mai ici en France. Oui. Voilà, c'est une demi-journée d'information sur l'insuffisance rénale. Est-ce qu'on peut parler un peu du contenu de cette journée? Qu'est-ce qu'il y aura réellement au programme? En fait, c'est une demi-journée d'information en collaboration avec des médecins néphrologues et qui s'effectuera en fait dans la commune de Maisons-Laffitte en présence de Monsieur le maire, en présence également de certains ambassadeurs et des hommes des médias, des hommes religieux et des pharmaciens et pharmaciennes qui seront présents, où nous allons vraiment sensibiliser, informer et parler des facteurs qui favorisent en fait l'insuffisance rénale. D'accord. Il y aura un très grand exposé de la maladie
Ça sera l'occasion pour nous les profanes de poser des questions. Oui, effectivement. Voilà, aux spécialistes qui seront là. Il y aura même des témoignages des gens qui ont la maladie qui vont expliquer en fait leur situation, ce qu'ils ont vécu la maladie. Un véritable moment d'échange. Oui, effectivement. D'accord. Et ça sera le 21 mai, début journée, donc je suppose que ça va commencer de 14h30 jusqu'à 18h. Et qui est invité à cette cérémonie? Qui est invité? Oui. C'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y aura des ambassadeurs. Non, je veux dire, c'est vrai, ce sont eux qui vont communiquer, mais est-ce que moi, en tant qu'entité, je peux m'élever pour participer? Oui, tout le monde est invité c'est, ou c'est ouvert au public. Il n'y a pas de. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Peu importe la population. D'accord. Nous sommes ouverts à tout le monde. Tout le monde est invité à cet événement. Qui aura lieu, bien sûr, dans la commune de la maison de Pierre, maison Lafitte. Oui, voilà. Et nous allons vous demander de regarder juste la caméra là et de nous parler. C'est vrai, vous avez pendant 3 ans côtoyé ces médecins, vous avez pendant 3 ans côtoyé les malades de l'insuffisance rénale. Quel est le message que vous pouvez adresser en ce moment aux téléspectateurs? Ben, je souhaite, surtout concernant cette maladie, qu'est-ce que vous pouvez dire? En fait, à tous ceux qui regarderont cette interview, de rentrer en contact avec nous afin qu'ensemble nous puissions lutter contre l'insuffisance rénale parce que c'est une maladie silencieuse. Nous sommes tous des malades ambulants et nous avons besoin en fait de s'informer, de sensibiliser. Nous sommes ouvertes aussi à toute proposition, tous ceux qui voudront adhérer. Vous pouvez faire un tour en fait sur notre site qui est akendeespoir.org. Et voilà. Voilà pour toutes les personnes, parce qu'il faut préciser que dans les membres, il y a des volontaires, il y a des donateurs. Si vous sentez que vous avez envie de faire un don à Akendé, vous rentrez en contact avec les responsables de la structure, de l'association, pour faire un don. Parce qu'il y a des donateurs, comme vous le dites, très discrets, qui n'ont pas envie de se faire connaître, mais qui sentent qu'il faut qu'ils donnent quelque chose pour l'avancement de vos projets et tout, pour que les personnes puissent être informées sur la maladie. D'accord. En tout cas, je vais repréciser que le 21 mai, à partir de 14h30, dans la commune de Maison Lafitte, il aura les contacts au bas de l'écran. Vous pourrez donc venir à cette demi-journée d'information sur l'insuffisance rénale. C'est quoi l'insuffisance rénale? Quels sont les facteurs favorisant l'insuffisance rénale? Quels sont les symptômes de l'insuffisance rénale? Quelles sont les précautions à prendre? Non seulement pour éviter, mais si vous êtes malade, pour ne pas que votre cas s'aggrave et tout. En tout cas, toutes les questions que vous avez envie de poser aux spécialistes de cette maladie, vous aurez toutes les réponses. Ça sera donc le 21 mai, tout le monde est invité. Merci à vous. Merci. Voilà, Madame Marie-Ange Belli, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Akendé Espoir, Lumière pour tout le monde. Merci pour votre fidélité à vous. Nous vous attendons tous ce 21 mai dans la commune de Maison Lafitte. Merci pour votre fidélité aux News de Paris. À très bientôt. Au revoir.